Konnichiwa les amis. Konnichiwa. Voilà, donc aujourd'hui ce matin c'est direction Shibuya. Voilà, hop, on est sur le fameux carrefour de Shibuya. Avec beaucoup de monde pour faire une vidéo cadrée. Carrément. Et là, au haut du 109, comme ça vous allez voir la vue de ce carrefour depuis un gratte-ciel. Direction 109. On arrête avec les bruitages à la con. Gênant. Bon. Petit débrief de la journée. Oui. Qu'est-ce qu'on a fait donc ce matin? Shibuya, voilà. Ouais, c'était ouais. Comment? Nul. Voilà. Non, on rigole. La vue panoramique depuis le 109 était vraiment exceptionnelle. Disons qu'il y a eu de mauvais souvenirs a priori. C'était pas terrible. Non, il manquait un truc. On est allé où ça après? Au Starbucks. Starbucks, ouais. Voilà. Donc au deuxième étage, ouais, pour une ouais, on a bu un café. Le monde. C'est bien le café. C'était très très sympa. En même temps, j'en ai pas pris de café aussi. Bah, après, on a vu des Japonais, c'était sympa. Quoi. Voilà. Ensuite, on a été. Ça change. On a été à la Kujou. Ah là, du coup, c'était ma force de dire des merdes. Voilà, ah là, du coup. Loser. Je suis fan de cette télécommande. Et du coup. Ah, je ne sais pas ce mais elle ne connaît pas l'ordre des boutons. C'est marqué c'est traduit en anglais. Ah là, du coup, qu'est-ce qu'il y a de marrant? Bon, il y avait les crêpes, mais personne n'en a prise. Non. On a fait les lasers.
Laser Trap. Ah, on a fait le laser. Ouais, ah, ça c'était très sympa. Très sympa. Gros culs, hein. Ça, on a des gros culs. Ouais. C'est des gros culs. C'est ça le principal handicap. Ça passe pas des masses. Ensuite, Ueno pour une partie d'entre nous. Ueno, quartier très très sympa, certainement le plus beau quartier qu'on ait vu depuis le début. Oui, avant, oui, très bien. Ça a l'air animé, il y a des bars, il y a de quoi faire. Et, très très joli quartier. Les anciens quartiers tout pourra qu'on ait beaucoup nous conseillés parmi nous. Bref. Moi j'avais dit que Ueno c'était nul. Voilà. Il y a du monde, enfin on l'a pas fait soir. Ça a l'air animé. Quoi. Très très bon quartier. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre après? On s'est baladé dans le parc. Voilà, de Ueno qui est très joli. On a kiffé les brumisateurs. Brumisateurs super. Bouffe moyenne, mais typique. Ah non, moi c'était très bon. C'était très bon, moi c'était dégueulasse. C'était une sorte de pâte à crêpes sur du calamar, la pâte à crêpes pas cuite. On parle de ta blague avec la bouse ou pas? Oui, c'est vrai, tu peux en parler. Non, je te laisse faire. Bon, alors on n'en parle pas. Cédric a mangé un petit sandwich triangle japonais, du truc de riz. Voilà. Et en fait, dedans, à chaque fois, il y a une petite surprise. Et là, il y avait un fruit, a priori. Un fruit. Voilà. Et donc, Cédric. Cédric m'a dit avant, ça a un goût de chiotte. Et après, il m'a dit, ce serait pas de l'arbouze. Et je lui ai dit, ah, c'est un peu dur, de la bouse, parce que c'est un goût de chiotte. Voilà. Ah ouais, t'es sympa. Ah non, mais non, t'es dans le bonne disposition, hein. Voilà. D'ailleurs, on va profiter pour faire la blague du jour tout de suite, hein. La blague du jour, elle est magnifique. Pour Romain, toujours. Pourquoi les habitants de Tokyo aiment le cheval? Parce qu'ils sont des Japonais. Voilà, alors maintenant, on continue la suite. On est rentré, on a vu le feu d'artifice qui était très très long, j'ai jamais vu un feu d'artifice aussi, on l'a toute ma vie. Une heure et demie sur trois lieux en même temps. Ouais. C'était incroyable. Les Japonais ne savent pas faire les choses en petit. Et la chance qu'on avait, c'est que... Les Japonais sont endettés. Notre appart donne juste sur un spot d'un des trois feux d'artifice. Voilà. Très très joli, même des chats. Des chats en feu d'artifice. Des chats en feu d'artifice. Jamais vu ça auparavant. Les moustaches, les oreilles, la totale. Quoi. Des cœurs. Voilà. Ça les gère. Il y avait des smileys, plein de trucs. Et le drapeau de la France. Oui, oui, on l'a fait. Et des moules. Et des moules. Et des moules. Et des quoi? Des moules. Des moules. Non, des noix de coquilles. Donc on vous remercie pour toutes les vues et puis pour les commentaires. Bon, pour l'instant, Annen est le premier à avoir gagné un... Surtout moi. Un Poulikula magnifique. Un fou Poulikula. Un Poulikula, quand même. Et puis la suite, prochain épisode. Comme on dit ici. Kawaii. Sayonara.